collecteurs d'impôts et de nombreux pécheurs s'approchaient de Jésus, l'écoutaient tout leur cœur. Les pharisiens, les scribes critiquaient, murmuraient: il accueille les pécheurs et chez eux va manger. Lequel d'entre vous tous, s'il possède 100 brebis et qu'une seule d'entre elles un beau jour s'est enfuie, ne laisse dans le désert celles qui n'ont pas bougé pour chercher l'égaré jusqu'à ce qu'il ait trouvé? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu, Jésus? Pourquoi tant de chemin pour une brebis perdue? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu, qui es-tu, Jésus? Tu nous cherches toujours. Joyeux, il la met autour de ses épaules pour mieux la ramener. Rentré à la maison, il appelle ses amis: venez vous réjouir, j'ai trouvé ma brebis. Ainsi je vous le dis, il y a plus de joie à la maison du Père, dans mon royaume à moi. Le jour où un pécheur se lève et qu'il revient, que pour ceux qui restent là, mais n'ont besoin de rien. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu, Jésus? Pourquoi tant de chemin pour une brebis perdue? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu, Jésus? Tu nous cherches toujours, jour après jour. Écoutez, si une femme qui a 10 pièces d'argent vient à en perdre une seule en faisant du rangement, ne va-t-elle pas allumer, chercher et balayer jusqu'à ce qu'elle ait trouvé sa précieuse monnaie? Elle invite ses voisines quand elle l'a retrouvée pour qu'elles se réjouissent de ce qui s'est passé. Ainsi y a grande joie au ciel, je vous le dis, le jour où un pécheur, un seul, se convertit. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu, qui es-tu, Jésus? Pourquoi tant de tracas pour une pièce perdue? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu, Jésus? Tu nous cherches toujours, jour après jour. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu, Jésus? Tu nous cherches toujours, jour après jour. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu, Jésus? Tu nous cherches toujours.